Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, chers amis, et bienvenue en ce 32e dimanche du temps ordinaire. Bienvenue à l'oratoire. Peut-être que certains vont découvrir cet endroit qui a été transformé provisoirement en petit studio d'enregistrement, grâce à Olivier et à Pia. Nous allons nous préparer à la liturgie, à rencontrer le Seigneur, nous préparer en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent, elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire.
J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même que nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Accueillons la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Parler de la sagesse à un homme, une femme de l'Antiquité n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qui est très présent dans les mentalités, notamment en Orient, en Antiquité. La sagesse, à l'époque, c'est le fait de faire les bons choix dans sa vie, même matérielle, commerciale. Ainsi, un homme sage, c'est quelqu'un qui va arriver à une belle situation, qui aura gagné de l'argent et qui gagnera aussi la considération de ses compatriotes. Alors évidemment, dans le contexte biblique, il va y avoir beaucoup plus que de mener sa vie avec astuce, mais c'est de rechercher la volonté du Seigneur. Et la sagesse, le livre nous le dit bien, la sagesse se laisse chercher, elle se laisse trouver. Il ne faut pas être un grand savant, il ne faut pas être quelqu'un de très malin ou de très fort. Non, la sagesse, elle est juste derrière ta porte. Il suffit de l'aimer, de la contempler et de lui demander d'entrer dans ta vie. On va reprendre ce même thème dans le psaume. Mon Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Sans le Seigneur, je ne peux pas vivre. J'ai besoin de sa vie, j'ai besoin de son amour. Mais là aussi, il faut que je me mette en marche vers lui. Et il est là, il se laisse atteindre. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Et c'est ainsi que saint Paul va réconforter les tout premiers chrétiens qui sont effrayés par la mort, qui se demandent si vraiment Jésus est ressuscité. Et nous, que va-t-on devenir après ce passage sur terre? Donc saint Paul rassure ses amis, mais il les enseigne aussi avec ce qu'il a reçu du Christ ou ce qui lui a été transmis par le Christ. Comme toujours, saint Paul interprète l'enseignement du Christ qui lui parle par parabole. Alors nous sommes habitués, nous savons très bien qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans la parabole qui est toujours un langage parfois dur, radical, hein, entre celles qui ont fait les bons choix et puis celles qui étaient insouciantes et qui seraient perdues. Le fond de cette parabole, c'est comment nous nous préparons, comment nous vivons l'alliance avec Jésus et comment nous nous préparons à son retour. Il n'y a rien d'effrayant à cela. C'est simplement d'accepter en nous la présence de Dieu, d'ouvrir notre cœur à son amour, de se laisser regarder par Dieu et apprendre de lui comment regarder notre monde qui est parfois bien dur et pour certains qui est invivable. Alors nous, les chrétiens, nous sommes en attente. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien, que nous serions insouciants en disant « Oh, bah, Jésus va revenir, donc on ne va pas se compliquer la vie, vu qu'il fait toujours ce qu'il dit. » Oui, mais il nous demande d'être vigilants. Il nous demande de veiller, car on ne sait ni le jour ni l'heure. Et heureusement, d'abord parce que c'est le secret de Dieu, mais cela nous permet aussi de nous préparer et pour cela de vivre, de chercher à vivre dans l'amour. Alors, tout comme dans le livre de la sagesse, dans le psaume, nous nous mettons en quête de l'amour qui n'est pas très loin. Il est à notre porte, à la porte de notre cœur, que nous ouvrons en grand pour connaître vraiment quelle est la vie de Dieu, pour apprendre à aimer comme il nous aime et pour faire naître dans nos relations des rayons de lumière qui éclairent le monde. Amen.
Ensemble, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les évêques de France, rassemblés en visioconférence, qu'ils surmontent les épreuves sécuritaires et épidémiques avec réalisme et foi, solidarité et compassion. Prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour l'Europe, mise au défi du terrorisme, pour les États-Unis d'Amérique et le respect de la démocratie, pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays traversés par l'incertitude et la violence. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les résidents des EHPAD et les personnes âgées, qu'ils bénéficient de la présence humaine concrète et chaleureuse des membres de leur famille et du personnel soignant, en dépit de l'ajustement difficile entre le maintien des visites et la vigilance sanitaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes, pour le peuple chrétien, afin que nous puissions être vigilants, veiller, prier, travailler, malgré les difficultés du moment, pour attendre la venue du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Quand, célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles et les siècles. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Mathieu Rouget, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur notre paroisse, sur nos familles, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nicolas, Saint Marc et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus, en frères et en sœurs, nous pouvons dire en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, nous pensons aux uns aux autres, à chaque membre de notre communauté, en particulier ceux qui souffrent le plus de ce temps de confinement. Nous pensons à tous ceux pour qui l'Eucharistie est un manque, mais qui trouveront aussi eh bien, une image de la fraternité du Christ à travers cette célébration. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Continuons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai oublié les annonces. C'est pas grave, je vais les faire maintenant. C'est la feuille d'annonce. J'ai écrit un petit mot là pour nous encourager les uns les autres. La feuille, vous la trouverez alors imprimée. Il y a quelques exemplaires au fond à l'entrée de l'église et puis bien sûr sur le blog. Confions-nous les uns les autres à Marie. Confions aussi toutes celles et tous ceux pour qui nous prions que nous allons rencontrer ce dimanche. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine dans la prière et dans la veille, comme le Seigneur nous le demande. Et puis, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, à bientôt, portez-vous bien.